L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. C'est le duel dans le duel. Les Lions indomptables face aux Hirondelles. A priori, c'est une équipe inférieure au Cameroun sur le papier et qu'on ne voyait certainement pas en mesure de challenger la sélection nationale. Mais la réalité du terrain étant tout autre chose, les Camerounais se sont vus contraints de lutter jusqu'à la dernière minute pour composter leur billet pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quand TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 pointe tout, le monde est de cœur avec les Lions. Même le retraité André Onana est revenu sur sa fameuse décision, pour aider autant que faire se peut son pays. Point dans le monde du football, tout comme dans la vie, des moments déterminants surviennent, exigeant des choix cruciaux. Ces derniers mois, j'ai été confronté à des épreuves marquées par l'injustice et la manipulation. Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlable envers ma patrie, le Cameroun, demeure intact, a introduit André Onana, pour confirmer sa présence. Mon désir de représenter mon pays n'a jamais fléchi depuis ma jeunesse, et cette aspiration demeure une part indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction. Je réponds à l'appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l'attente et au soutien des Camerounais, qui méritent une équipe nationale déterminée à briller. C'est le match de leur vie, celui qui peut ressouder les liens entre les supporters longtemps déçus et les joueurs. Une victoire serait synonyme de qualification, et c'est à cela que s'en tiennent les fans. L'activiste et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Claude Wilfried Ekanga a réalisé la vidéo très attendue et appréciée par tous. Appel à l'union et à l'encouragement des joueurs pour ce match.